tous fans de Playmobil en rose et rose. bleu. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de Playmobil. Ouais, ben c'est un peu logique, on est sur une chaîne de Playmobil. Mais un Playmobil Doll House référence 70207. Et c'est quoi cette boîte? Le nouveau salon. Voilà. Donc ce sera pour moi parce que le salon de Rose, il est moderne. Voilà, c'est celui-là de l'ancienne maison moderne. Et le mien, c'est celui-là de l'ancienne, ancienne maison Dollhouse. Donc il est un peu vieux. Je vais vous le montrer. Bon là, il y a la famille Salfi et la famille Latour qui prennent l'apéritif. Mais bon, voilà, c'est ce salon-là avec la télé là-bas. Alors par contre, la petite particularité de ce salon, c'est qu'il n'y a pas de télévision. Mais voilà, moi je l'ai pris, c'est pour les canapés qui sont dépliables, pour la cheminée qui est trop belle, et pour la table de salon qui est hyper, hyper moderne, et le meuble télé, mais il est trop beau. Bon bref, on va pas s'éternaliser sur cette entrée de vidéo, et on va l'ouvrir. Voilà, on l'ouvre. Toi, tu le trouves comment ce salon déjà, juste à la vue d'œil? Très moderne. Après, j'espère que c'est le montage, apparemment, il a l'air facile, quoi. J'espère. Il est trop, ah, trop beau. Ah, je me suis piqué avec la boîte. Il est trop, trop beau. Hein. Ouais, il est très moderne. Au moins, on aura. J'espère que la cheminée, elle n'est pas trop, trop grande pour qu'elle, ouais, rentre dans mon salon. Ouais. Et en fait, je donnerai mon poêle à granulés dans la maison de Rose, parce que elle n'a pas de cheminée ni de poêle à granulés. Voilà, la boîte est remplie. Hein. On aura un pépé. Donc moi je l'ai acheté pour le prix de 16,90€ et j'espère qu'elle est bien. Donc déjà il y a plein de choses quand même pour ce prix-là, c'est super bien. Bon allez, on va l'ouvrir. Enfin on va le... on va monter. Donc on enlève le plastique de la notice. Donc voilà la notice. Ah oui, quand même! Bon, ça va, elle est bien expliquée. Bon, on la monte et on se retrouve tout de suite! Et voilà, nous avons terminé de construire ce petit salon. On a découvert quelques petits trucs qui nous ont pas trop plu. Bon, après, quand on voit une image de Playmobil, on se dit, waouh, ouais, ça a l'air trop bien! Waouh, ouais, ça a l'air comme ci, comme ça! Et puis au final, bah, y a des petites choses qui sont pas pareilles. Mais c'est pas grave, on va vous le présenter. Déjà, nous avons, hein, pour un salon, canapé, voilà, qui est dépliable. C'est un peu dur, attendez bien. Hop, voilà. Voilà. Bon. Mais il est un peu petit ce canapé. Bon, déjà, il est un peu bas, mais bon, ça c'est pas très grave, alors, ça existe des canapés un peu bas. Mais on va vous montrer avec le grand-père que déjà, bah, le canapé est trop petit pour qu'il s'allonge entièrement. Donc sinon, à part ça, on a, bah, le grand-père avec sa canne. Elle est trop bien, sa canne. Moi, quand, regardez, il quand est il, trop beau, le père. Quand il est, ouais, il est là. Et j'adore. Il a une veste. Il est vraiment très charmant. Regardez, s'habiller très charmant. Ça fait grand-père. Il a des petites lunettes en plus. Cravate. Voilà, il est, voilà, un grand-père, quoi. Après, on a le fauteuil qui est aussi, voilà. Ouais, c'est pas très solide, résistant, mais bon, là. Ouais, ça se casse tout le temps, ça c'est chiant. Oh là là, ça me saoule. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste que la note baisse, quoi. Ensuite, on a ce petit... Ah, comment on appelle ça, cheval à bascule, ouais. Et là, c'est zèbre à bascule. Voilà. Après, ça, il est trop beau, c'est quoi? C'est un bébé. Il est trop beau. Baby. Regardez ce petit seum. J'adore les petits poissons dans l'eau. J'adore. Ensuite, on a un petit jouet rouge, voilà. Ensuite, on a... petit jouet vert et cap. Ouais. Ensuite, ça, c'est... Yes. Qui va avec... le chien. Le chien, il est trop beau. J'adore. Même si c'est un chien classique. Ouais, mais il est trop beau. Après, le nounours. Ensuite... voilà le nounours. Après, on a, bah, le panier. Hein. Après, on a deux petites tables. Donc, une qui est vraiment tout petite. Hein. Voilà. C'est pour faire une un peu plus grande et une un peu plus basse. Je trouve ça trop stylé, très moderne. Ensuite, on a du bois. Voilà, des petites bûches. Pouah. Et là, la cheminée. Moi, je croyais qu'elle était collée comme ça.
Mais en fait, non, en fait, c'est le truc comme ça. Donc, ce qui est quand même bien, c'est que ça s'allume. Mon pote, on voit pas trop, mais bon, voilà, c'est. Ça rien. Bon, toi, c'est tempo. Voilà. Non. Faut que ça s'atteigne. Faut que t'appuies plusieurs fois, en fait. T'es sûr? Bah, je sais pas, moi, ça se fait ça avec un feu. Ah, c'est bon. Voilà. Bah, peut-être qu'il a plus de piles. C'est juste ça le problème. Et après, on a le petit truc en forme de V. En fait, je crois que c'est parce que. C'est peut-être pas obligé qu'on le mette, tu sais, s'il y a des gens qui veulent pas le ouais, mettre, que mais ça encombre leur maison. Comme ça, ouais, c'est. Oui, ça fait beau, mais bon. Nous, on va le mettre parce que comme ça, à Noël, on pourra mettre des petites décos dessus, je sais pas, la crèche, des trucs comme ça. Ensuite, on a. Un globe terrestre. Ouais, et qui tourne pour de vrai, là. On vous ment pas. Ensuite, on a. Alors, ça, c'est mon coup de cœur, même si c'est un tout petit truc, c'est mon coup de cœur. C'est. Un ordinateur. Et dessus, il y a la tête Playmobil. Il est trop stylé. De... Et à l'intérieur, bon, déjà, on a le clavier. Et après, c'est des chatons. Les Playmobil, ils sont comme nous. Ils adorent les vidéos de chatons qui roulent. Perso, moi, j'adore en regarder sur YouTube. Ensuite, on a une petite maison pour jouer ou pour décorer. Peut-être que le grand-père, il était architecte avant. Hein. Et ensuite, on a un meuble, mais qui est hyper moderne. Tu trouves pas? Et on a vraiment tout pour écouter de la musique, les films, les CD, tout, 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 tout. Et après, on a des petites portes. Voilà. On peut peut-être ranger le nonos pour pas que le chien vienne le manger la nuit. Voilà. Faut qu'il s'ouvre un peu la carte, peut-être. Hein. J'en peux plus de ces Playmobil. J'en peux plus de ces Playmobil. Bon, on se canalise et on va donner. Non, on se canalise pas. Non, bon, voilà, nous avons terminé ce petit unboxing. On va maintenant donner notre note. Quelle note donnes-tu, Rose, pour cette boîte du salon? Allez, hein, la vidéo, elle dure pas 2 heures. Hein, tu vas peut-être faire. Mais je vais mettre 3,5. Ok, bah pourquoi? Pour la cheminée, ça c'est un bémol. Pour les canapés, comment dire que aussi c'est pas très solide. Hein. Mais sinon, c'est une hyper belle boîte et il n'y a pas de télé. Ouais, bah après, il relève un cas qui est réaliste. Que des personnes n'ont pas de télé. Hein, nous, on connaît ce petit truc parce que nous, n'avons pas de télévision chez nous. Donc... comme ça, ça fait à peu près la vie réelle. Moi, je vais donner un 3. J'adore ce salon. Pour les canapés, déjà. Même si, quand on les retire... Bon, là, le canapé, non. Mais, par contre, le fauteuil, là... bon, à chaque fois qu'on l'ouvre, il se casse. Donc, là, c'est pas top. Si quelqu'un s'assoit, il se casse. Donc, voilà, il va finir à l'hôpital. Ensuite... Parce que déjà ça s'est même pas collé, ça me saoule un peu. Parce que à chaque fois par exemple quand on tournera une vidéo, peut-être que quand on tournera une vidéo, bah ça fera écarté, ça me plaît pas du tout. Les enfants ils vont tout bouger. Et puis après bon la table est super belle, mais par contre, enfin, je sais pas, il y a, je trouve que il y a un petit truc qui manque, ça fait un peu côté salon. Je sais pas ce que c'est, mais il manque un truc qui fait un peu côté salon. Peut-être. Parce que ça, c'est pour écouter des films ou de la musique. Il y a, comment tu veux regarder un film? Bah, c'est pour ça qu'il y a, il y a l'ordinateur. Mais comment veux-tu regarder un film? Tu vas pas mettre un film sur l'ordinateur. Bah, non, mais ça. Tu relis avec un fil. Bon, non plus, je vais pas faire un cours de technologie aux gens. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je décide de mettre un 3 sur 5. Un 3, non? Oui, un 3, c'est ce que j'ai dit. Ah oui. N'hésitez pas à nous dire quelle note vous donnez à cette boîte de Playmobil et si vous voulez la voir. Mais par contre, il faudra nous le dire sur Instagram. Notre Instagram qui s'affiche sur l'écran. On vous dit au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!